Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je ?» Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui deux très brèves lectures sur lesquelles on peut passer rapidement, mais qui illustrent aussi l'évangile d'aujourd'hui, qui est très important pour tous les chrétiens, mais pour nous spécialement catholiques, comprendre ce que le Seigneur a donné en mettant à la tête de son Église un homme qui est un homme, mais qui parfois peut arriver à parler comme Dieu veut et non pas comme les hommes veulent. Et c'est ce que nous avons lu dans l'Évangile. Alors dans la première lecture, c'était un transfert d'autorité dans le peuple juif. Dieu qui dit jusqu'à présent c'était celui-là, maintenant ça va être celui-là. Et ce transfert est symbolisé par la clé. Je mettrai sur ses épaules la clé du symbole, celui qui a la clé est le maître de la maison. Enfin, normalement, c'est comme cela. Oui. Moi, j'ai connu en Argentine un gaucho qui était venu à des réunions que nous avions tard, jusqu'à tard le soir. Il était venu à cheval de 4 lieues. Il est arrivé assez tard chez lui. Sa femme n'a jamais voulu croire qu'il revenait d'écouter un curé. Elle pensait qu'il venait plutôt du bistrot. Elle n'a pas voulu lui ouvrir. Alors je lui ai demandé, mais qui commande à la maison? Celui qui a les clés. Tout simplement. Et oui, quand on a les clés de la maison est ouverte à disposition. Et si on n'a pas les clés, non. Et dans la deuxième lecture, la lettre de saint Paul, très rapide aussi, mais qui vaut la peine de lire et d'en faire comme une prière au Seigneur. Un acte d'exclamation devant la beauté de ce que Dieu a réalisé avec la venue du Seigneur et tout ce qu'il a fait pour son Église aussi. Alors, ce transfert d'autorité dont nous parlait la première lecture, oui, va être ce que Jésus va faire avec Pierre.
l'autorité religieuse, jusqu'à ce moment-là, c'était celle de l'Ancien Testament, voulue par Dieu. Hein? Mais maintenant, Jésus est celui qui va prendre l'autorité du nouveau peuple de Dieu. Dans la Transfiguration, hein, on voyait Moïse, celui qui avait été choisi pour être l'autorité dans le peuple de Dieu, hein, et puis tous ceux qui avaient succédé à Moïse, hein, et il converse avec Jésus. Il y a une continuité entre l'Ancien, le Nouveau Testament, hein, et en plus le prophète Élie aussi, qui représente les prophètes, mais c'est intéressant de voir Moïse, qui était l'autorité de l'Ancien Testament, et qui converse avec Jésus, qui est maintenant la tête de ce nouveau peuple qu'il va constituer, qui devait être dans la ligne du premier, aucune opposition, oui, et qui devait réaliser ce que le premier peuple avait annoncé. Oui. Et maintenant, Jésus, dans l'évangile que nous avons lu, va désigner celui qui va être son représentant sur la terre. Oui. Jésus remonte au ciel physiquement, mais il y a quelque chose de son autorité qui reste dans ce monde, et c'est ce que nous avons lu de cette question que pose Jésus à ses disciples, à ses apôtres, 12. Il leur demande: pour vous, qui suis-je? Et alors, les disciples, les apôtres se font l'écho un petit peu de ce qu'ils entendent à droite, à gauche, ce qu'on dit de Jésus. Ils ne disent que le bon, hein, parce que de Jésus, on disait un petit peu tout, hein, qu'il était aussi un glouton, un ivrogne, parce qu'à différence de Jean-Baptiste, il buvait du vin, ce qui n'est pas mauvais. Hein, mais là, ils se font l'écho. Alors, il y en a qui disent que tu es comme Jean-Baptiste, qui avait été décapité, qui est ressuscité, ou comme le prophète Élie, qui revient au milieu de nous. Oui. Et vous, que dites-vous? Et alors, c'est là que Pierre, inspiré vraiment par l'Esprit Saint, s'avance et lui dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, alors ça, le pape François, je vais employer ces mots à lui, c'est plus expressif, mais Simon Pierre, dit le pape François, trouve sur ses lèvres des paroles qui le dépassent. Ça, c'est typique. Mais c'est pas lui, c'est pas son, en Argentine on disait son maté, sa tête, c'est pas sa tête qui a trouvé ça, oui, c'est qu'ils ne viennent pas de ces lumières naturelles. Il n'avait peut-être même pas été à l'école, et il est en mesure de dire ces paroles plus fortes que lui, oui, quelque chose qui le dépasse. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que Dieu peut le faire quand il a mis une personne avec la responsabilité de son Église. Il peut, à certains moments, ne pas parler simplement comme un homme qui a du bon sens. Oui. Quand les journalistes font au pape une entrevue après avoir été à un endroit, qu'il est fatigué, et puis qui lui pose des questions comme cela à brûle pour point et qu'il faut qu'il réponde, là ce serait difficile que le pape puisse dire tout ce que je dis. Non, il y a des circonstances dans lesquelles, comme Saint-Pierre cette fois-là, où c'est vraiment l'Esprit-Saint qui suscite quelque chose de particulier. Oui. Et cette parole sera une parole qui vient inspiré par l'Esprit Saint. Oui. Quand le pape parle, mais alors il souligne toujours si c'est quelque chose. Pour que ce soit l'infaillibilité, il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'il déclare en fonction de sa primauté, oui, dans l'Église. Oui. Cela dit,
elles lui sont inspirées, dit le Saint-Père, par le Père du ciel qui révèle au premier des 12 la véritable identité de Jésus. Il est le Messie, le Fils envoyé par Dieu pour le salut de l'humanité. Et avec sa réponse, Jésus comprend que grâce à la foi don du Père, il y a un fondement solide sur lequel il peut bâtir sa communauté, son Église. Aussi dit-il à Simon, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors n'oublions pas que ce nom de Pierre, Jésus, la première fois qu'il avait vu Simon, lui avait dit, « Tu t'appelles Simon, désormais tu t'appelleras Pierre, c'est-à-dire roc. Hein? » Et Jésus avait dit aussi en parabole, hein, que celui qui construit sa maison sur le sable, c'est instable, ça tiendra pas, même si c'est très beau, très, très grand, ça ne tiendra pas parce que la base n'est pas émouvante. Oui. Mais celui qui construit sur le roc, alors là, c'est du solide. Et pour construire son église, Jésus a parlé du roc Pierre, en lui donnant ce nom de Kephas ou Petros, hein, la pierre. C'est ce qui donne sa solidité. Et voyez, c'est pas pour faire des comparaisons, hein, mais si on remarque un petit peu l'histoire du christianisme, combien de communautés ont commencé et puis se sont séparées de Pierre, et à partir du moment où elles se sont séparées de Pierre, ça a été la division, la subdivision, la subdivision, la subdivision. Et je le dis sans aucun regard en haut sur les communautés évangéliques, par exemple. Mais c'est vrai qu'elles font un travail que, en beaucoup d'endroits, nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes. C'est incroyable, des fois, le courage qu'ils ont pour annoncer le Christ. Et il faudrait que nous en ayons quelque chose. Mais ce qu'il y a, c'est que ça se divise, ça se subdivise, à tel point que dans des pays comme l'Amérique latine, dans une même rue, il y a l'église évangélique de ça, l'église évangélique de cela, l'église évangélique. Mais il manque cette référence à un roc qui maintient l'unité de l'édifice. Ça, il faut vraiment que nous sachions le valoriser. Et quand nous écoutons le pape, nous écoutons un homme qui a son bon sens, un homme qui peut avoir ses qualités, qui a quelques défauts aussi, hein. Mais il y a avant tout une référence quand il parle vraiment comme pape qui maintient notre unité. Oui. Et ça, c'est extrêmement précieux. Vous voyez, j'ai mon âge, hein. J'ai connu pas mal de papes, finalement. Et si on fait un petit peu le récapitulatif des derniers papes, il y a une providence extraordinaire. Vous voyez, quand j'étais adolescent encore, Pie XII vivait, hein, et j'avais un désir d'aller le voir. Il était admirable. Vraiment, une présence, on aurait dit un ange, hein, des grands bras, vraiment une dignité. Mais dans son palais, il y avait des choses qui, aujourd'hui, ne marcheraient pas. Oui. On lui parlait à genoux. Il y avait une espèce de vénération qui était faite par toutes les circonstances de vie, qui, à cette époque-là, aidait encore. Oui. Moi, on admirait beaucoup. J'avais un désir d'aller à Rome. Ça ne voulait pas dire que j'étais un si bon chrétien, mais aller à Rome, pour moi, voir le pape Pie XII, c'était quelque chose, vous voyez. Et puis, vous savez qui est arrivé après, hein? Jean XXIII, qui était il aimait le bon peuple, l'aimait. Hein? Parce que là, si Pie XII s'adressait plutôt aux intellectuels, il était capable de discuter avec eux et tout cela,
Jean 23, tout en étant d'une intelligence remarquable, hein, mais en même temps, fils de paysan, et s'il portait sans obstacle pour parler avec les gens simples, oui, et les gens simples savaient qu'ils étaient compris, et puis et cette bonté, et le Jean 23, avec un cancer déjà, a fait beaucoup pour la paix. Vous savez qu'il a pratiquement, on pense hein, que ce qu'il a écrit au moment de la crise de Cuba, où les Russes amenaient des armes nucléaires à Cuba, eh bien, son intervention a probablement contribué parce que les Russes fassent demi-tour. Vous voyez, c'était un homme à la fois tout simple, mais qui avait son influence. Hein. Et puis, il a lancé le concile. Avec cette tranquillité qu'il avait, c'est l'affaire de l'Esprit-Saint. Il était affolé lui-même de ce qu'il comprenait que Dieu lui demandait. Et puis, il a lancé, et il ne l'a pas terminé. Paul VI a dû assumer ensuite la continuité. Et Paul VI, je l'ai connu un peu à la fin de sa vie, c'était un homme qui souffrait énormément à la fin de son pontificat. Toutes les divisions qui s'étaient mises dans l'Église avec les tendances différentes et qui s'étaient manifestées spécialement au cours du Concile. Oui. Puis l'incompréhension dont il a été l'objet quand il a écrit « Human Evite », enfin, c'est un homme qui, à la fin de sa vie, souffrait énormément. Et ça paraissait compliqué, ça paraissait obscur. Oui. Son enterrement, j'ai toujours ce cercueil-là sur la place Saint-Pierre, il pleuvait, il faisait du vent, et c'était, vraiment c'était l'image d'un moment difficile pour l'Église. Et vous savez qui est arrivé après hein? Jean-Paul Ier. Oh, un homme tout simple, un sourire. Et ce sourire a marqué tellement le monde. Et il a commencé à écrire un petit livre qui s'appelle « Illustrissimi Signori hein? », en s'adressant à l'un aux autres. Ça. Quatre audiences, quatre catéchèses, et on a respiré. Dans le fond, ce n'est pas si compliqué. Hein? C'était comme une bouffée d'oxygène, mais elle a duré 33 jours, le temps de prendre une bouffée d'oxygène. Et, alors les journalistes se demandaient, et le suivant, il va avoir le sourire de Jean-Paul Ier, parce qu'il semblait que s'il n'avait pas ce sourire, c'était manqué d'avance. Oh, le suivant, il n'avait pas le sourire. Mais, dès sa première messe, il tourne à droite, à gauche, avec Jean-Paul II, avec son énergie. Nous, on a pensé, en voyant par télévision cette première messe, bon, certainement que son ministre de maître de cérémonie va donner sa démission. Il n'arrivait pas à le suivre. Et de fait, ça a été tout de suite. Jean-Paul II, voilà. Et puis, vous savez, quelle influence il a eue sur des générations, hein, et qui sont les générations de Jean-Paul II. Oui. Et puis alors, il fallait se demander aussi, quand il est décédé, qui est capable de prendre la suite hein. Eh bien, l'Esprit-Saint nous a envoyé quelqu'un qui a pris la suite en complétant beaucoup de choses avec sa capacité théologique et puis sa délicatesse aussi. Et les journalistes... quand ils ont su que c'était lui qui était élu, ont commencé certains à parler de Panzer cardinal, hein, comme s'il était du Saint-Office. Et vous allez voir, ça va être un type impossible. Quelle douceur, quelle délicatesse, et un langage tellement compréhensible, lui qui en savait tant. Hein. Des fois, il y a des gens qui savent beaucoup, beaucoup, mais ils ne savent pas transmettre. Lui, cette facilité avec laquelle il a transmis, oui. Et puis, maintenant, pour succéder à Benoît XVI, notre pape actuel, qui ne cesse pas de nous surprendre, hein, à part ses façons d'être, ses attitudes, mais dont on se rendra compte qu'elles sont venues au bon moment,
Oui. Et ça continuera. Mettons notre confiance. Alors, ce sont des hommes. Ils ont leur limitation aussi. Ce n'est pas des dieux. Hein. Mais notre regard doit être de reconnaissance et puis surtout de beaucoup de prières. Parce que mettez-vous à la place de notre pape actuellement, les situations dans lesquelles il se trouve. Il n'a pas peur d'aller se mettre dans le guépier, hein, et d'essayer d'apporter là quelque chose de la parole de Dieu sans chercher les applaudissements. Oui. Alors, si vous remarquez, ces voyages ne sont jamais à des endroits où il y aura des foules pour l'applaudir et tout cela. Oui, aujourd'hui, remercions le Seigneur pour cet homme qu'il veut à la tête de l'Église, non seulement pour le bien de l'Église, mais pour le bien de toute la chrétienté aussi, hein, et le bien de tous les hommes. Et puis, prions pour lui, pour qu'il ait la lumière, le courage et la force suffisante pour continuer sa mission. Et préparez-vous pour le suivant, vous au moins.